à 3 minutes du coucher de soleil. Là, je me trouve sur les tétrapodes, près du chemin bétonné. On peut voir ici la SRPP, donc le chemin bétonné en premier plan, là. Les cuves par derrière, les montagnes au loin. Voilà, là-bas, c'est la route en corniche. Ici, les tétrapodes. Et je voudrais choper, si c'est possible, le soleil, mais ça va être dur. Par contre, une belle couleur. Vraiment, c'est des couleurs qu'on croirait pas très naturelles. Mais c'est le coucher de soleil d'hiver, il est comme ça, quoi. Donc, en fait, là, on en est à bientôt à la fin de la première minute. Je vais rester encore 2 minutes là-dessus. En attendant pour voir si le soleil va ressortir. Donc j'en profite pour filmer les alentours. Les Rubik's cubes, les Grey Rubik's. Voilà. Là-bas s'accrochent quelques nuages aux montagnes. À la fin ici du chemin bétonné, on vient sur ces tétrapodes. J'ai la vague impression qu'on aura du mal à choper. Ouais. On aura du mal à choper de la lumière du soleil. Là, il y a un bateau de pêche. On va vous montrer un petit peu le bas là. Tétrapode et l'océan. Retourne vers le soleil. Voilà, bateau de pêche se passe. Allez, pour la peine. Voilà, on voit derrière les portiques là-bas de Forest. Recule. Les lumières allumées toute la journée, maintenant elles vont finir par servir par quelque chose. Le soleil est là derrière. Ça tape. Le petit bateau tourne. Bon, c'est là le crépuscule. Hein. Allez, on va faire un petit peu d'horizon. C'est la houle qui va... Voilà, on peut dire que c'est maintenant le coucher de soleil, c'est là. Hein. 7, 8, c'est-à-dire 18h. 18h08 se couche, donc on va rester une petite vingtaine de secondes et on va quitter. Allez, on arrête.